Salut à tous, bonjour! Oh, cette ponctualité! Par contre, je faisais du pain, ce qui fait que bah, j'ai dû sacrifier le café et j'ai même pas commencé à boire mon café. C'est la catastrophe, là! Ah là 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 là, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, j'avais hâte de continuer ce petit jeu. Bah oui, c'est pas pour tout le monde, mais moi, je veux continuer mes chiottes à la romaine. Hop, voilà! Vous vous rappelez de mon petit parking là? On va essayer de finir la mission, hein! Et passer à la mission suivante, hein. J'ai hâte de commencer à construire en hauteur et tout, hein. Merde, je me rappelle plus comment on quittait la vue en drone. V. Yes! Oh merde, j'ai mon distributeur qui brûle ici. Et mes magnifiques chiottes, hein. Ma fierté, hein. Là, c'est ma Mona Lisa, les mecs. C'est ma Mona Lisa, les chiottes à la romaine. Et bah, j'en suis extrêmement fier. J'en suis extrêmement fier. Je ferai pas mieux que ça dans ma vie, je pense. J'hésite même à mettre un chiotte ici. Vous voyez, genre, vous rentrez en étant un peu inconfortable. Et bam! Il y a un mec qui chie. C'est incroyable. Et le parking, ça va plutôt bien, le parking. Le problème, c'est qu'il me faut plus de toilettes. Est-ce que j'ai accès à des escaliers? Parce que le rêve là serait de faire des toilettes ouvertes en hauteur. Je crois pas qu'il y ait de verre. Vous voyez, de verre. VERE là, le verre. Parce que je voudrais bien faire des chiottes avec des baies vitrées. Vous voyez là, imaginez, vous venez poser votre bagnole. Vous posez votre petite caisse là. Vous sortez. Et là, au deuxième étage, vous avez une énorme mezzanine en verre avec des mecs qui chient. Ça serait incroyable. Vous voyez Robert, Roger, Raoul et André qui se regardent en duel. Là-haut. Ah, colonel Choupette, je suis sûr qu'il y a... Attendez, on va aller voir s'il y a des escaliers. Il y a totalement des escaliers. Regardez! Il y a totalement des escaliers. Est-ce que... Comment est-ce que je les place? Ou alors des escaliers intérieurs. Non, ça serait un petit peu compliqué. Il n'y a malheureusement pas de toilette à la turque. À mon grand malheur. Est-ce que je pourrais pas installer... regardez. Comme ça. Oh, regardez. Hop! Non mais avoir des toilettes d'étage, vous voyez? Comment est-ce que j'installe ça? Comment j'installe des toilettes d'étage? Est-ce que je peux pas juste... je crois pas, hein, malheureusement. Ils refusent de me les mettre en hauteur. Il y a des choses que je maîtrise pas dans le jeu encore. Et là, je présume que si je partais... Attendez. Je teste un truc. Ah ben, on est là pour faire des dingueries, hein. Attendez, je vais passer en vue de drone. Je vais passer en vue de drone, ce sera plus facile peut-être. Ou alors... Ah! Oh, attendez! J'avais... Voilà! Hop! Et peut-être que là... Ah, ici, ça passe! Regardez! C'est bon! Je commence à comprendre. Je commence à comprendre certaines choses. Comment je supprime déjà les... Delete? Non? Il y a un mode de destruction, mais je me rappelle plus. Parce qu'après, là, je vais pouvoir faire une grande mezzanine. Clac, clac. Et les toilettes seront en hauteur, vous voyez? Mais il faut que je me débarrasse de lui, là. Merde, je me rappelle plus dans les contrôles. Delete, X. Voilà. Ce qui fait que là, je vais pouvoir recasser. Je vais essayer de mettre les toilettes ici. Oh, ça va être incroyable. C'est que le début, hein. Et je veux mettre des... Je pourrais faire un escalier en fer à cheval. Un escalier en fer à cheval comme à Fontainebleau. Ça serait fou. Non, là malheureusement, il refuse de me le mettre. Pourtant ici, il me l'a mis tout à l'heure. Et je pense que... Comme je découvre pourquoi des fois ça passe et des fois ça passe pas. En termes d'alignement.
voyez là, là ça passe, mais vous voyez, pas facile hein. C'est World Shot Simulator. Les toilettes font partie intégrale de l'expérience, Jean-Paul Emploi. Est-ce que tu vas dans des chiottes publiques? Moi, c'est rare. Il faut vraiment que j'ai la crotte au cul pour aller dans un chiotte public, tu vois. Là, le but, c'est de rendre les gens confortables. Et là, si je le baisse... Oh, ça passe! Merde, j'étais presque. Pas facile à mettre en place. Allez! Attendez, je vais casser peut-être. Ah non, je peux pas casser. Je peux pas casser, sinon je vais avoir des problèmes. Ou alors, attendez, on va essayer. Techniquement, c'est de l'art, d'accord? Il y a le robot! C'est de la faute du robot! Il dérange! Le robot a une hitbox! Ah, le con! Eh! Hey, matez-moi cette entrée. Bon, c'est un peu dangereux, faut passer sur la route. Et là, on a le deuxième étage. Accès au deuxième étage. Je vais mettre des petits murs. Comme ça, les mecs, là, ils pourront faire caca, ils pourront se tourner et voir le parking. Oh, mais ça va être incroyable. Vous allez voir. Ah, mais je peux pas parce qu'il y aura les conduites à mettre. Il va me falloir des hauts murs, malheureusement. Mais on pourrait mettre un toilette sur deux. Non, mais je vais pas avoir cette toilette. On va mettre les cloisons. Regardez là. Ah non, il me veut que des moyennes cloisons. Comme ça. Quid de celle-là? Peut-être qu'il veut pas. Normalement, je devrais pouvoir faire un étage. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? C'est le fameux jeu de parking. Il est incroyable, le jeu de parking. Il y a un côté toilette simulator qui me rend... Peut-être qu'il faut un plancher. Peut-être qu'il faut un plancher. Il faut peut-être un plancher. Hein. Un plancher spécial. Hein. Fondation. Si je mets... Non. Malheureusement... Ouais, mais là, j'ai mis du toit. Non, roof, roof. Normalement, c'est la même chose. Je peux pas remettre des fondations. Attendez, je vais couper la musique. Vu qu'il y a de la musique dans le jeu. Je cherche à comment on construit en hauteur. Vous voyez? Pour installer des toilettes aériennes. Des toilettes, des super toilettes aériennes. Donc j'ai pas à poser une nouvelle dalle. Là, je peux poser une super dalle. Mais ça m'intéresse pas de poser des nouvelles dalles. Moi, je voudrais construire en hauteur avec des murs. Normalement, wall, je devrais pouvoir mettre cela. Mais il ne veut pas. Est-ce que ça serait pas dû au fait que dessous, il y a des tuyaux? Hein? Est-ce que c'est pas les tuyaux qui empêchent? Normalement, là, il n'y a pas de tuyaux. Tiens donc, Volcan! Mon automate t'a bloqué pour touche ton trou de balle! Eh ben, c'est du propre! Hein? Je vais te mettre. Pause Péco! Merci, mec! Oh merde, je m'entends en double! Merci mec! Je m'entends en double! J'ai relancé le stream par accident. Voilà. Donc ouais, je crois que peut-être j'ai compris. Je vais aller prendre... Non, ça marche pas. Je ne comprends pas pourquoi. J'arrive pas à construire en hauteur. Et avec une petite dalle... Et là, une petite dalle, ça marche! Les petites dalles fonctionnent! Donc les petites dalles fonctionnent, mais pas les grandes. Vous avez vu? Intéressant, hein? Et si je mets deux petites dalles l'une sur l'autre?
comme ça. Vous pensez que je peux mettre un toilette comme ça? Est-ce qu'un toilette passerait? On va faire des dingueries. Toilette! Ça passe pas. Je crois que le jeu a crash. Le jeu a totalement crash. Non, c'est bon. Il a juste pas compris ce que je lui demandais. Malheureusement, je peux pas mettre de toilette en hauteur. Je présume que c'est à cause de la hauteur, ouais, ouais. Non, mais ça aurait été génial, juste les tuyaux. Vous imaginez, là, vous mettez le toilette? Et vous avez le tuyau. Ouais, il faut être à l'intérieur. Hein. Out of bounds. Ah ouais, ouais, ouais. Là, ça passe. Bon, il va me falloir plus de toilettes, malheureusement. Je propose qu'on augmente la taille. Je propose qu'on augmente la taille des toilettes à la romaine. Et qu'on accentue la proximité, vous voyez. On va essayer de les sortir de leur zone de confort. Vous goûtez l'expérience premium du toilette. Hein? L'expérience premium. Comme ça. Regarde, oh là là, oh là là, oh là là, je suis un génie. On va essayer de connecter tout ça, d'accord? Je suis un génie. Je vais casser les lampes. Voilà. Incroyable. Vous avez vu? La proximité. C'est ça qu'on aime. Alors, comment est-ce que je vais réussir maintenant à gérer... Oh là là, mais c'est bon. Ça marche. Je suis un génie! C'est incroyable! Mes nouveaux toilettes! De la proximité, de l'amitié entre les gens! Vous avez vu ça? Et là, je vais pouvoir... Oh là là, c'est... Une nouvelle expérience sociale! C'est totalement ça. Hop, je vais enlever les petites lampes merdiques là, les lampes de club échangiste. C'est du génie. Voilà, je vais placer les pipes. Vous savez que c'est super intuitif le jeu. Vous pouvez faire des dingueries avec ce jeu. Ah, peut-être que ce toilette malheureusement, c'est bon. Merde, ici je me suis loupé. Je vais remettre un pipes. Voilà. Et on va mettre les water pipes. Voilà. Oh là là. C'est... J'ai envoyé ça à la mairie de Paris pour une expérience sociale. Dans certains quartiers un peu chauds, peut-être que ça pourrait rapprocher les habitants. Vous voyez ? Ça pourrait rapprocher les habitants là qui ont parfois des soucis là. Imaginez, vous faites caca avec Mokhtar, le trafiquant de drogue, le matin. Lavabo, non, ça c'est des normes occidentales. On se lave les mains. Voilà. On mettra des lingettes. Hein, des lingettes à la sortie. Pas mal, hein. Pas mal, hein. On a posé 20 toilettes. Je suis extrêmement fier de ma performance. Hein. Mes toilettes modernes à la romaine. Maintenant, il faudrait un peu de lumière. Vous voyez, il ne faut pas pouvoir se dissimuler. Il ne faut surtout pas pouvoir se dissimuler dans le noir pour faire caca. Il faut que tout le monde vous voit quand il y a un petit bruit là ou un... Vous voyez, un petit quelque chose. Bam! Funding machine. Wall lamp. Oh, regardez! Hein? You cannot hide! There is no hiding! Il y a des projecteurs de DCA là! Vous savez? Comme dans les camps de prisonniers!
Ici, je pourrais. J'ai pas fait passer. C'est pas grave. Bon, on va pas connecter ces toilettes tout de suite. Et boum! Je suis particulièrement fier de moi. Eh non, mais vous rentrez l'expérience. Hein? Vous imaginez l'expérience que c'est? Ne jamais sous-estimer l'expérience, regardez. Voici mon. Je suis avec mon drone là. Vous vous dites, je viens de poser la. Je viens de poser la voiture. J'ai une crotte qui pousse. Ça peut arriver à tout le monde. Vous avez déjà eu le la taupe qui pousse, vous voyez. Vous arrivez tranquillement en mode, ok, je vais faire discret. Et là, bam. Vous êtes choqué. L'expérience ultime. L'expérience ultime, la proximité, l'amitié des entre les peuples. Et vous vous prenez le petit toilette là au fond. Hop. Super. Je suis extrêmement fier de la performance. Hein. Je mettrais bien un peu de déco à l'hiver à moins de 40, en été. Bah ouais, mais il y a le bruit et les odeurs. Hein, comme à Barbès. Hein. Écoute, Résus, ou Ville Coyote, allez savoir. Bon, écoutez, on va mettre. On va jouer. Normalement, j'ai mis les 20 toilettes et il me faut. Oula, ça, c'est mon drone. Merde, 2. Hop, voilà. Regardez les gens qui sortent, ils adorent les toilettes, hein, l'expérience ultime. Écoutez, mon parking il tourne, hein. Mon parking il tourne, hein. 466 visiteurs, il faut que j'arrive à 1000. Évidemment, il y a une brosse commune, bien sûr. Tout le monde partage la même brosse. C'est pas drôle, sinon. Regardez, matez l'engin. C'est propre, hein. On va pouvoir peut-être ajouter des dalles, l'argent rentre dans les caisses. J'ai des agents de... Où est-ce que je trouve déjà les gens qui bossent pour moi? Vous savez que vous pouvez construire en hauteur après, hein, les parkings, vous pouvez faire des immeubles de parking et tout. Hein. Regardez. Eh, ça c'est mes nouveaux toilettes, hein, regardez la foule. Ils sont au courant qu'il y a les toilettes les plus chics de la ville. Les plus chicots, ça. Regardez, il y a le drone, là. Vous voyez le drone, là. Vous imaginez, vous êtes en train de faire caca. Et là, je suis en vue en drone, hein, vous savez. Regardez, il y a le drone qui rentre, le drone de maintenance. Hop. Et qui vous voit en train de chier. Comment vous réagissez face au drone? Vous voyez, comment vous regardez le drone? Vous regardez le drone en chien de faïence? Vous le fixez? Comme ça, quand il arrive en face de vous, là. Regardez là, hop, il a vu le drone. Oh, il part, mais revenez, c'était pour rire. C'était pour rire, vous n'avez pas profité de l'expérience, monsieur. Ce jeu est génial. Voilà, pour faire du RP, hein. Magnifique, hein. Bon, je pourrais augmenter la taille du parking. Je pourrais augmenter la taille du parking un petit peu. Je vais mettre des fondations, des grandes dalles. Voilà. Ah merde, c'est pas les bonnes. C'est pas les bons revêtements que j'ai là. Moi je cherche de l'asphalte. Fondation, loading zone, non. Ça, c'est les petites fondations. Les très petites fondations. Okay. Fondation. Ah, 1200. Non, ça, c'est les... Ouais, mais c'est ça. Ah, c'est celle-là. Le quartier des affaires à Paris. Ah, bah, complètement. Hein. T'as une gestion des ressources où tu construis comme tu veux. Non, tant que t'as de l'argent, tu peux construire. Merde, je me suis trompé. C'était celle-là. Voilà. Il est où l'endroit pour que... Ah non, je crois pas qu'il y ait encore d'options pour retrouver son dealer au parking. C'est Macron, c'est pas lui qui achète sa dope. Hein. Tu crois vraiment que c'est Macron qui achète sa dope?
Voilà, on va pouvoir mettre ici les... on va mettre les places de parking. On va continuer à améliorer... Oh, mais attendez, je pourrais commencer à mettre des... des petits... regardez. Je pourrais commencer à mettre des sidewalks. Ouais, mais j'ai pas designé le parking comme ça. J'ai pas designé le parking comme ça, malheureusement. Voilà. Ah bah, voilà, Palmade, écoutez, il avait la dalle, Palmade, rappelez-vous, c'est un malade, donc on peut tout leur pardonner. C'est où les... Ah, voilà. Voilà, regardez, hop, hop, superbe. Un modèle, hein, n'est-ce pas? Je vais pas mettre de place, là, on va laisser ça libre, quoique, non, on va pas laisser ça libre. Ils feront un petit détournant. On voit un peu la trajectoire. Il faut lui filer la Légion d'honneur. Oh, attends, hey, ils en seraient capables, hein? T'as vu les loustiques qu'on a? Ils en seraient totalement capables de lui filer une Légion d'honneur à Palmade, hein? Si c'est pas déjà fait, hein? Un grand artiste incompris comme lui, c'est une victime de la société. Il a dit qu'il se droguait pour parvenir à oublier que, comme il était gay, les gens se moquaient de lui. Tu sais, bah écoute, c'est génial, hein, les excuses des camés. Moi, je me drogue pour oublier que je suis con. Hein, ça marche, ça, aussi? Et Gérard Larcher, il pourrait se droguer pour oublier qu'il est addict aux rillettes, aussi. Non, mais à ce compte, voilà. Regardez, on va faire ça. Magnifique. On va boucler ce parking. On a les toilettes les plus sélectes de la ville. Je n'ai aucun problème d'addiction. C'est ce que disent tous les gens qui sont addicts, ça. Hein? C'est ce que disent tous les addicts. Est-ce que je pourrais pas là installer quelques décorations? On pourrait éventuellement... regardez là, concrete sidewalk. Est-ce que ça passe? Comme ça. Voilà. Ah non, ça permet juste un point de passage comme ça. Ah. Hop. Oh oui. Regardez, ça permet un petit point de passage pour les piétons. Éviter qu'il y ait des tarés qui passent. Propre, hein. Il est très friendly, mon parking, vous voyez. Très piéton friendly. J'aurais même pu mettre... j'aurais pu même, regardez... Ah non, c'est un petit peu gros quand même. Et là, pour le finir... On met... ouais, non, bah non, ça, là, ça va passer. Mais comme ça, ça passe. Ouais, allez, hein. Hop. Hé hey. Il est sympa, mon parking. Je pourrais peut-être mettre une petite buvette et un truc pour les dealers. Ou pour... pour les racoleuses, hein. Faut pas être chien avec les racoleuses. Ici, je vais mettre un... On va mettre comme ça. Allez, je pilote avec un drone. Pour éviter que les mecs se garent comme des animaux. Vous voyez, comme ça. Oh là là, je suis très fier de mon premier parking. Je suis très très fier de mon premier parking. Voilà. Sympa, hein. Je vais mettre les places. Je vais garder une longueur pour les bagnoles. Pour le sens de circulation. Regardez, comme ça. Et là, je vais faire ça.
super intuitif. Hein. Oublie pas les gardes de pêche. Oh, pour les guetteurs, mais non. T'inquiète, on mettra une petite cabane pour que le dealer de Gérard Larcher amène le camion de rillette pour le week-end. Voilà. Voilà. Sympa, hein? Et je vais rajouter les places qui manquent. Ça m'a coûté cher, ma petite extension, là. Mais on a un vrai parking, maintenant. J'ai hâte de voir si les gens prennent ma petite bordure. Là, ça passe? Oh oui, ça passe! Incroyable. J'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent! C'est pas possible. J'ai trop dépensé. Eh, regardez! Par contre, personne veut tester le nouveau... l'extension de parking. Ah, ici, malheureusement, ça passe pas. Lui, passe pas. Il n'y a pas la route. Ouais, c'est pour ça. Hop, voilà. Pourquoi pas une bordure avec un chiotte dessus? Tu veux que je fasse des toilettes publiques, hein? Genre, potentiellement, je mets un mur? Je mets un mur avec des chiottes? Genre, par exemple, là, tu gardes ta bagnole? Et t'as un chiotte à côté? Comme ça, t'as pas besoin d'aller jusqu'à la cabane à toilettes? Parce que ça fait une trotte, là. Regardez, le parking est plein. Le chiotte, il est à l'autre bout du parking. On pourrait installer éventuellement des chiottes rapides. Des chiottes rapides écologiques? À côté de votre voiture? Eh, ça tourne, hein. Eh, mes chiottes, c'est un succès. Mes chiottes sont un franc succès, regardez. Regardez, c'est la queue pour rentrer dans mes nouveaux toilettes! C'est la queue pour rentrer dans mes nouveaux parkings! J'imagine l'odeur! Mais ça s'arrange, c'est le bruit et les odeurs! C'est incroyable, attendez, j'attends. Ok, c'est bon. Oh, on a eu une éruption cette nuit en Islande, là. Le parking du Blue Lagoon va bientôt être sous la lave, d'une heure à l'autre. Que du bonheur. Vous avez vu l'argent que ça rapporte? Ils viennent tous dans les deux. Oh, regardez, les toilettes n'ont jamais été aussi fréquentées. Le drone rentre. Regardez, les chiottes! Les chiottes à la romaine! Oh, regardez, le mec, il est bien sapé. Vous avez vu? Attends, mais moi, j'aimerais bien être sapé comme ça. Le petit gilet... Les petits gilets et tout, le mec, il a la classe, ça. Oh là là, mes toilettes sont d'une popularité incroyable, hein. Oh, madame! Oh là là, madame. Où est-ce que vous pensez qu'elle va aller, madame? Est-ce que madame, elle va se cacher au fond, là-bas? Oh, elle va totalement se cacher au fond, madame. Oh, regardez, madame! Hop, oh, même pas. Rapide, hein. À quand le Blue Lagoon sous la lave? Non, il y a des énormes murs de défense de presque 30 mètres de haut. Il faudrait vraiment... ça serait... Peut-être un jour... Mais pas aujourd'hui. C'est une forteresse là-bas. J'y étais il y a 3-4 jours. J'ai amené un abonné, Bastien, là-bas. Donc si vous venez en Islande, voilà, vous aurez des privilèges. Et ils passent ce soir boire un canon. Ils ont eu une semaine de beau temps incroyable. Bon, j'ai de l'argent. Je vais pouvoir finir le parking. Regardez. Oh non, ouais, mon argent, c'est catastrophique. J'ai plus un. Elle a fait un perfect. Alors toi, bravo. Eh, avouez que mon parking est plutôt sympa. Je sais que ça fait parking, voilà, classique. Mais c'est le mien. C'est mon parking. Regardez ça. Avec les toilettes les plus inclusifs et les plus modernes de la ville. Tout le monde nous l'envie. Regardez, hop, ça sort. Eh, mes toilettes sont tellement populaires. Je suis très très fier. Bonjour madame. Oh, bizarre, madame crâne rasé avec une jupe. Écoutez, ne jugeons pas, hein. On est en 2024, n'est-ce pas? Oh là là! Oh là là, le succès de mon parking! J'en suis très très fier. Hein.
Vous savez, il y a des gens, ils lancent des jeux, là, ils vont jouer à League of Legends et tout. Moi, je fais des toilettes et des parkings. À un moment, faut choisir quel genre de streamer vous voulez être. Hein. Je vais abandonner Medieval de Total War et je pense que je vais me lancer dans du speedrunning de parking et de construction de toilettes. C'est le futur. C'est le futur. Mais il y a des panneaux solaires, mais pas dans cette mission. Superbe. Comment c'était déjà la touche la touche pour les employés. Il y a, ça, c'est la construction. En fait, là, j'ai trop d'argent, mais j'ai plus de matériel de construction. Je pense qu'on est peut-être limité. On est peut-être limité en termes de place. Alors, on peut pas mettre de drapeau, je crois, malheureusement. Je pense que je suis limité, en effet, en matériel de construction. Et que je suis limité maintenant à 72 matériaux. Parce que de l'argent, j'en ai, là. L'argent rentre. Avec les simulateurs et tout n'importe quoi. Non, mais tu rigoles. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'âge d'or des simulateurs de tout et n'importe quoi. Tu peux tenir... T'as tout dehors. T'as de tout sur le marché. Attendez, là, le lot, il est bugué, là. Eh, monsieur... Monsieur... Vous imaginez, là, vous traînez un peu sur le parking, un peu trop longtemps, il y a le drone qui arrive en face de vous. Hein. Vous bloquez l'accès au parking. Pourtant, tout, ça circule bien. Hein. C'est lui qui a un problème de batterie, peut-être. Hein. Et God Simulator! Et lui a un problème. Lui a un problème. On va essayer de finir la mission. On aura peut-être des nouvelles options pour les toilettes. Hein, on aura peut-être... Tu l'as reçu, t'as pas payé pour ça. Non, on me l'a filé. Il y a plein de compagnies qui m'envoient leurs petits jeux et tout. Encore, je refuserais de faire des gros jeux, des triple A et tout, sans être payé. Mais encore montrer des petits jeux indés et tout comme ça, c'est fun. Vous voyez, vous voulez vous amuser une heure, essayez de faire des missions. Moi, je trouve ça génial. Donc, on m'envoie les jeux. Sinon, je saurais même pas que ce jeu existe. Vous imaginez pas le nombre de jeux qu'il y a... le nombre de jeux qu'il y a sur les... Ah, est-ce que c'est pas lui qui faisait bugger? C'est totalement lui qui faisait bugger. Pépé l'influenceur. Ah, j'aime pas le terme d'influenceur. L'important, c'est de s'amuser. Je suis un clown. Eh, ça rentre, hein. J'ai trouvé mieux que les AAA, mais complètement. Les AAA, c'est mort, hein. Les jeux sont absurdément chers, buggés, même pas fun. Un petit jeu indé à 20€ qui est super cool. Regardez un peu les Factorio et compagnie, mais c'est des jeux incroyables. Vous allez foutre des centaines d'heures là-dedans. Et là, un jeu de parking, toilette designer. Moi, je suis heureux, hein. Il faut que je trouve la touche pour les employés. Normalement, il y a une note... Gamepad, build, copy, aligné, non, focus, focus. Merde. C'est pas focus. C'est pas focus. Jump, sprint, interact, non. 2, 3, turbo. Turbo, c'est shift. Non, gamepad, ça m'intéresse pas. Je sais pas. Il y a une autre touche, normalement. On va aller en vitesse plus rapide, parce que normalement, là, la mission, je l'ai bouclée. Je suis très très fier de ma performance. Mon premier parking toilette, maison. Les chiottes à la romaine, on va les développer. Hein. D'égout, mais tu sais que tu pourrais faire un jeu incroyable avec des gestions d'égout. Construction et gestion d'égout sur une ville comme New York. T'imagines les trucs de fou que tu pourrais faire. Énorme potentiel. Où on donne Dubaï, qui a pas d'égout. Et faut que tu construises des égouts à Dubaï. Jeu incroyable. Tous les jeux de management de la vie quotidienne, on se rend pas compte à quel point la vie quotidienne est compliquée. Mais t'as un potentiel énorme de jeux dans même les ramassages d'ordures, les égouts et tout ça. Paiement dû dans 3 jours. Normalement...
interest. Normalement, est-ce que j'ai des dettes? Mais attendez, j'ai des dettes. Comment... Où est-ce que je trouve... Attendez. Pause. Je dois avoir un écran. Je dois avoir un écran, normalement, de contrôle. Gestion, contrôle. Ah, je crois que j'ai trouvé. C'est bon. C'était... C'est I. I. Finance. Est-ce que j'ai des emprunts à rembourser? J'ai beaucoup d'argent. Market. Ah, je peux acheter des matériaux. Regardez, je peux littéralement acheter des matériaux. Je crois. Si je fais ça. Non, j'ai que 72, d'accord. Comme je dis, statistiques, ça c'est les stats. Ça c'est le staff. J'ai deux employés, Raphaël King et Marlo Chung. Ouais, on a pris des mecs pas très locaux, vous voyez. Et énorme demande. Ils sont heureux. Summary. Alors, je sais pas trop comment je rembourse mes emprunts. Mais normalement, j'ai pas d'emprunt. Et on a presque fini la mission. On a normalement presque fini la mission. Regardez, 950 voitures sur 1000. On aura fait un très beau parking pour une première mission. Classe, hein. Qui doit vivre dans sa caravane. Ben non, il vit dans les toilettes. Il vit à l'étage. Regarde. Il a une mezzanine. Regarde-moi cet appart. Mezzanine. Vue exceptionnelle sur la ville. Toilette. Toilette multiple intégrée avec salle de bain. Terrasse géante. Il est là l'appart. Ah. Ah, le conseil de la ville est fier de vous. Je suis fier de vous. Merci madame. You did a great job creating and running the town first park. Voilà. C'est l'odeur des cookies. Fantastique. Répétez, your hungry walkers on the line. Bah ouais, mais forcément, quand ils ont vu mes toilettes, voilà. Il est possible de faire une alternative au trafic de la ville. Donnez-moi plus de points de parking à construire et des cookies. Voilà, you won. Continue planning, on va aller au menu principal. Peut-être qu'on a fini le jeu en soi. Je pense que, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de missions au début. Scénario. Ah non. J'ai bien débloqué autre chose. The only way is up. Oh, on va pouvoir construire en hauteur. Voilà, le conseil de la ville vient me chercher pour mon expertise. C'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Ils viennent me chercher pour mon expertise. Quel est le problème? If you can go around, on va devoir construire en hauteur. How high do we go? À quelle hauteur allons-nous aller? Parfait. Oh là 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 là. On va avoir accès à des nouveaux... plein de nouvelles choses. Oh là là, je suis en plein centre-ville. Oui, là, limited fact to construct, ok. Un deadline, il va falloir pas que je traîne, j'ai une deadline à respecter. Alors. Vous avez vu un peu le merdier? Oh, to be... Oh, l'inclusive! Oh, madame! Oh, madame, alors là, tu me demandes de l'inclusivité totale! Je vais te donner de l'inclusivité totale! Jusqu'à plus soif! Je suis une IA! Je vais te faire de l'inclusivité comme tu l'auras jamais vu! Tu vas adorer mes nouveaux toilettes! Des parkings inclusifs, les mecs! Il faut pas me donner des jeux comme ça. Il ne faut pas me donner des jeux comme ça. Parce que ça devient ubuesque. Et moi, j'adore Uburoi. Si vous me donnez carte blanche avec des places de parking inclusives, avec des spots pour handicapés et tout, je vais faire des choses absurdes. Oh là là, hey, vous imaginez s'il y avait des places de parking racisées et tout. Allez, one, il faut que je construise au moins une place pour handicapés. T'inquiète pas, la place d'handicapés, je vais la mettre tout en haut du parking. Et avec des escaliers qui tombent avec des toboggans et tout.
Non, t'inquiète pas. Oui. Are you want to be social? Ouais. Oh là 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 là. Et là, je vais aller voir un peu ce qu'ils me disent. Footy the building thing. Ah, oh, clean. Ouais, t'inquiète. Je vais engager des gens. Je vais engager des gens. Voilà, le système de rating. Next. Ouais, voilà. Il faut avoir des décorations pour aider. Il faut que les gens se sentent bien. Donc, we live. Ah ouais, si les gens voient un graffiti, direct, ils se barrent. Donc, faut que je fasse attention qu'il n'y ait pas des punks à chiens qui viennent. Faut que je fasse attention qu'il n'y ait pas des punks à chiens qui viennent mettre des graffitis et tout. C'est là où avoir un videur avec un AR-15 pour faire le ménage. Genre, il y a Mokhtar qui arrive là avec sa bombe, BAM! On l'aligne direct. Bon. Comment on va faire ça? Déjà, il me faut des fondations. Il me faut des fondations. On va aller voir un peu les bâtiments. Parce que j'ai des nouveaux types de murs, j'ai des cercles et tout ça. Je me disais, s'il faut qu'on monte, ça serait intéressant d'avoir une rampe. Vous voyez, genre par exemple ici, une grande rampe avec des escaliers en coulimaçon qui donnent l'accès au bâtiment. Vous voyez, que les voitures, qu'on ait une rampe pour conduire. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Déjà, on va faire des tests. On va commencer par les fondations classiques. Attendez, il n'y a pas l'arbre qui gêne là? Allez, casse-toi! Mais les mecs là, les arbres, c'est la fête ou quoi? Cassez-vous là! On abat la diversité, hein, là, tous les bosquets et tout là, à Fuera, hein. On est là pour tout casser et construire, hein. Voilà! On pourrait déjà, ouais, je suis en train de réfléchir à comment on va faire ça. Est-ce qu'après, au niveau des murs, on a des grandes colonnes? Voilà, on a des colonnades, les rampes et les escaliers, ramp up. Voilà, ça c'est des rampes. Ça, c'est le roofing, c'est pour le toit. Ok. Ça, c'est les pipes. Tout ce qu'on connaît. Les lampes. De la verdure. Très intéressant. Ok. Oh, bravo, Pop38. T'imagines, là, il y a un modérateur de YouTube, de Twitch qui se pointe dans le chat. Et il voit ton commentaire. Hein, toi, tu t'en fous. Ta vie, elle va continuer. Par contre, quoi, il arrive quoi pour ma gueule, Pop? Réfléchis. Hein. Utilise ton cerveau. Je sais que c'est difficile pour certains. Parfois, vous vous pensez tout permis sur Twitch. Vous ne l'êtes pas. Et votre adresse IP, elle n'est pas non plus inattrapable. Attention à ce que vous dites. C'est pour votre propre bien. Bon. Comment est-ce que je peux faire ça? Il me faudra des fondations, des grosses fondations. Comme ça. Au niveau argent, ça donne quoi? J'ai pas beaucoup d'argent. Il va me falloir déjà un parking fonctionnel. Avant de faire quoi que ce soit. Un petit parking, juste pour que ça tourne. Vous voyez, faire rentrer des devises. Faire rentrer quelques devises. Ouais, mais là, il me fait un peu chier, lui, là. Est-ce qu'on pourrait pas mettre des mini-fondations? Voilà, regardez. Parfait. Avec des fondations plus grosses. Et est-ce qu'on va réussir à placer un début de parking? J'ai peur de pas avoir assez d'argent. Ça, voilà. Voilà. Et là, on va pouvoir faire entrée-sortie et mettre des premières places. Parce qu'il faut que je fasse rentrer un peu d'argent dans les caisses. Comme ça. Le signe de route.
Voilà. Voilà, je sais pas si, je vais avoir assez de thunes. Est-ce que là ça passe? Ça passe totalement. Hop. Magnifique. Ah merde, là je vais avoir un problème avec cette... Est-ce que je peux le faire sauter lui? Je peux totalement le faire sauter, allez casse-toi. Alors les chiottes inclusifs, ils vont pas arriver tout de suite. Hein. Là, la priorité c'est de faire un peu d'argent de poche. C'est déjà de lancer un début de parking pour faire rentrer de l'argent. Parce que là c'est compliqué au niveau finance. Et après je commencerai à spécialiser le parking. Et faire des trucs de zinzin. Hop. Ah mais j'ai mon drone qui... J'ai Optimus qui gêne. Voilà. Ah oui, mais on va avoir des vigiles. Je pense qu'un maître chien, un investissement dans un maître chien pourrait être intéressant. Voilà. Écoutez, pratique. Pour un début. Pour un début, c'est pas mal. Je vais même pouvoir remettre des fondations. Voilà. Avec des nouvelles places. Ça va être ma base de travail, vous voyez. Même si après on va casser pas mal, je pense mettre ma tour. Ma tour, vous voyez ici. Je vais installer une gigantesque tour de triage. Pour que les gens puissent monter, vous voyez, on va faire un truc en coulimaçon. Voilà. Magnifique. Il n'y a pas de toilettes pour le moment. Les toilettes, on pourrait les mettre ici. Mais ouais, ouais. Trafic. Ah putain, il y a les buissons. Des toilettes intégrées. Voilà. Oh, les premières voitures arrivent. Les premiers clients, les mecs. Les premiers clients, le début du succès. Voilà, les premiers clients. Super. Akenarus, wouloulou. Il n'y aura pas d'Age of Empires 2 ce soir, malheureusement. Je suis busy. Simple et efficace. Maintenant, on pourrait peut-être améliorer la qualité du service global en installant des toilettes. En installant des toilettes, là, la route sera là, comme ça. On pourrait installer des toilettes... Est-ce que je vais avoir la place des toilettes rentrant direct? Vous imaginez là des toilettes avec la vue. Vous imaginez là, vous passez sur le... comme ça. Et le but serait de voir l'intérieur des toilettes. Vous voyez? Vous rentrez comme ça. Et vous voyez les mecs en train de chier. Vous voyez? Une vue directe et plongeante. Ça pourrait être classe, non? Moi, je vais le tenter. Aucune intimité. Aucune intimité. La brutalité, on revient aux fondamentaux de la crotte. Quelque chose de simple. Que tout le monde partage, que vous soyez un milliardaire et tout, d'une façon ou d'une autre, vous allez chier. Regardez. Le but va être d'installer...
Regardez. Hop. Vous voyez un peu la structure? Est-ce que vous voyez la structure de zinzin que je suis en train de préparer? Ah merde, là, je les ai mis sur le trottoir. J'ai fait une erreur, attendez. Il veut pas se mettre bien? Si. Hop! Hein, vous les voyez, là, les gigachiottes de l'espace? Ou alors... Non, non, moi, j'aime bien l'idée qu'on voit... Je vais mettre quand même, regardez. Vous voyez? Le but étant de le mettre au niveau du... Oh, oh non, mais regardez! Une double ouverture. Non, attendez, je crois que je peux mettre une double ouverture. Ça serait fou. Ah non, je peux pas, malheureusement. Je peux pas mordre. Non. Zut, je suis sur le trottoir. Je vais mettre pause. Voilà. Voilà. Et là, là, des toilettes. Là, avec une machine peut-être, une machine à glace au milieu ou un espèce de truc sympa. Mais le but étant que les gens vous voient, bah voilà, la brutalité des gens qui rentrent et qui vous voient en train de faire caca. Oh, mais attendez, je peux mettre ça? Oh, incroyable. Hein? On va mordre un petit peu. Voilà. Ça, c'est l'invitation. Le béton. Le béton. Rentrez, monsieur. Rentrez, monsieur. Je vais tout de suite couvrir. Je vais tout de suite couvrir ça avec... avec du roofing. Voilà. Foundation. Roofing. Roofing. Ah ouais, là... Ah mais là, le roofing fonctionne pas comme je le voudrais. Il faut que je remette des fondations. Foundation. Voilà. Oh, magnifique, ça tient. Hé hey. Attendez, ça a passé en une fois. Je sais que ça passe en une fois. Je l'ai vu. Hop, voilà. J'ai un peu de mal avec les... Parfait. Voilà. Voilà. Eh, hey, regardez-moi ce bunker soviétique. Ce n'est pas un garage à vélo. Ce sont les toilettes. Vous rentrez comme ça. Et hop! Vue plongeante intérieure. Sur tout le merdier. Je vais installer pour le moment. Donc il faut voir le paradigme du... Je vais, regardez, mettre deux toilettes au fond. Comme ça, juste deux toilettes. Et là, les mecs, ils vont rentrer. Vous êtes pris à la gorge par le vide. Et vous voyez votre objectif. Parce que je vais mettre des lampes. Des énormes lampes, là. Comme des pleins phares. Non, comme ça. Un. Clac. La brutalité du... C'est superbe. Oh. Attendez. Non. Ça passe pas. Ça aurait été trop incroyable. On va se faire comme ça. On va... Non, il va me falloir une superbe conduite d'eau. Une four-way. Est-ce que ça passerait pas comme ça? Voilà. Non mais il faut que les gens puissent venir faire caca dans mes toilettes. Voilà, c'est primordial. Voilà. Et rappelez-vous que ça sera ouvert la nuit. Donc les gens, ils vont arriver là, en sortant de boîte et tout. Ils vont arriver en face comme ça. Et regardez le point de vue. Tout est calculé. Ils verront les mecs là-bas. Regardez. Bam! Et je vais mettre des projecteurs. Comme ça, à l'intérieur, ils pourront pas s'enfuir. Il y aura de la lumière pleine balle.
Service, non. De la verdure. Vous imaginez là? Oh là là! Oh là là, mais oui, monsieur, le retour à la nature! L'homme face à son élément! Le béton! Le béton! Osez dire que c'est pas incroyable! Hop! Non, ça passe pas là. Il me faut de la lumière maintenant. De la lumière, très important. Power peut-être, non. Misx, non. Lights, lampe. Je pourrais mettre déjà une lampe ici, majeure. Voilà. Et après, comme je vous dis, il faut pas que les gens y honte. Je propose les lampes, donc lampe derrière pour qu'on vous voit bien. Et lampe sur les côtés, vous voyez, pour le côté cinéma. Si quelqu'un veut faire un TikTok, il faut de la luminosité. Pour la pub du parking, eh ben je propose qu'on fasse un côté, ou même pour tourner certaines choses, il faut de la lumière. Comme ça. Et là, vous rentrez, et vous êtes accueilli d'une façon incroyable. Vous avez vu ça? Vous verrez que ça, mais il y aura les lampes, il y aura la verdure qui va aussi ressortir. Il y a un côté social et généreux, mais c'est super. C'est super. Je suis extrêmement fier de moi. Bon, maintenant, il faut que j'amène l'eau. L'eau est là-bas. Comment je vais amener l'eau? Ça va être un peu brutal au début, la conduite d'eau. J'ai honte, hein, mais regardez. Ça passe. Est-ce que vous pensez que les conduites d'eau sont... Ça? Attendez. Il faut une autre fondation. Il faut que j'installe déjà un pipe clamp wall. Comme ça. Voilà. Et là, on va faire ça. Écolo et futuriste. Tout va être dans le design. Vous voyez? Quelque chose d'un peu plus moderne et récent. Vous moquez pas! Vous moquez pas, d'accord? C'est artistique. Dessous du premier étage. Si, si, on adaptera. On adaptera. Et voilà. Par contre là il faut que je rentre dans le mur en fait. C'est pas trop ce que je voulais faire en fait. Mais sailing. Non. Public water com. Est-ce que là? Ah mais voilà, mais attendez. Je suis trop con, on va faire ça. Voilà. Et je vais casser le câble. Voilà. Je peux directement faire une connexion en fait. Voilà. Et là normalement clamp wall, floor, le sailing, non. Est-ce que je peux... Vous voyez? Je pensais que ça passerait pas, non? Non, ça passe pas. Comme ça? Non, ça, il veut pas. Il faut le truc spécial à travers le mur. Pipe wall for function, pipe clamp wall. C'est pas ça. Moi, je veux à l'intérieur du mur. Floor, ça, c'est pour le sol. Non. Non plus. Ou alors on le fait directement rentrer. Il me semblait qu'il y avait quelque chose pour le faire rentrer à la... Vous voyez, qui s'adapte sur le mur. Au pire, on va faire comme ça. Hein. C'est pas une catastrophe. Hein. Voilà. Comme ça. Et là, est-ce que... Je pense pas que je puisse... Ouais, c'est ça le truc. Je dois avoir un machin pour le faire. Je suis convaincu qu'il y a cette merde quelque part.
C'est juste que je l'utilise mal. Comme ça, peut-être. Non mais attendez. Je l'ai déjà fait. Regardez. Non, ça passe pas. De l'intérieur. Oula. Non, ça c'est pour le... C'est pour le... Putain, mais c'est pas possible. Je l'ai déjà fait. Water pipe. Quid de prendre. Attendez, sinon je vais faire à la brutale. Hein. Regardez. Voilà, tiens, hop. Tu veux de l'eau? Voilà. Boum. Bon, c'est un peu brutal, le câble. Je vous le câble. Mais ça passe. Vous avez déjà vu pire. Hein. Vous avez déjà vu pire. Normalement, les toilettes sont fonctionnelles. Les nouveaux toilettes sont fonctionnelles. J'ai des petits soucis d'argent, mais déjà le parking tourne. Je vais mettre de l'électricité à tout ça. On va activer le merdier. Power, power, power. Power. Voilà. On pourrait mettre une machine aussi, une petite machine. Voilà. Ah non, ça c'est la machine à ticket, très important. Snacks. On va le mettre comme ça. Et on va aussi mettre soda. Voilà. L'élec. On n'avait pas trop joué avec l'électricité, mais ça c'est le public, c'est ce qui sort. Et là, tu câbles le club pour attacher une autre câble. Ah, to the sailing. Power pole. Voilà. Il est magnifique, hein. Yes. Est-ce que des gens vont rentrer? Est-ce que des gens vont rentrer aux toilettes? C'est la question. Déjà, l'argent rentre. Hein. Je vais embaucher quelqu'un. Je vais embaucher un travailleur pour s'occuper un petit peu de toute la main-d'œuvre et tout ailleurs. Voilà. J'espère que est-ce que le toilette, le fait qu'il ne soit pas considéré. Est-ce qu'il faudrait pas y rentrer ici plutôt? Je sais pas. Hein. J'ai peur qu'il ne rentre pas parce que c'est en dehors du parking, vous voyez? J'ai peur que ça rentre pas parce que ça. Au pire, on va mettre. Bah, je pourrais mettre une entrée là, les gens arrivent, ouais, mais là, ça fout en l'air tout mon design de mes toilettes. J'ai peur d'avoir fait un mauvais design. Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée. Je vais casser la bouche ici. Et je vais plutôt mettre la bouche de sortie ici. Comme ça, je pourrais faire une autre entrée là-bas. Voilà, je vais poser une dalle. Je vais mettre une sortie de flotte water. Public water. Comme ça. Voilà. Et là, je vais juste faire un tout droit. Comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir ainsi... Je vais quand même laisser l'entrée là pour faire bien. X. Je casse la double dalle. Et on va mettre de la dalle solo. Et comme ça, les gens vont rentrer. Ils verront pas les toilettes comme les autres. Mais peut-être qu'on ajustera... regardez, comme ça. Une petite entrée pour le moins sexy. Vous voyez, je voudrais bien faire une espèce de porte qui s'ouvre, vous voyez, comme Sésame. Comme ça, là, vous voyez, hop. Et là, on baisse, on met un petit muret cochon.
pour souhaiter la bienvenue. Ah, il veut pas. Comme ça. Ah, il veut, tu veux pas me le mettre entièrement Ah, attendez, je sais pourquoi. Je sais pourquoi il me faut des dalles plus adaptées. Des marbreries, de petites marbreries seraient excellentes. Voilà, vous voyez. Non, putain. Le jeu qui me dit merde. Trop grosse, ça. Non. Oh! Est-ce qu'il n'y a pas ça en plus petit? Non, il n'y a pas ça en plus petit, merde. On pourrait aussi faire... Attendez. Merde, il l'a mal mis. Il l'a mal mis. C'était dans l'autre sens, je crois, comme ça. Ouais, mais là, il le veut pas. Tant pis. Tant pis. Je veux les toutes petites dalles. Vous voyez? Ça va me permettre de custom l'entrée. Non. Ça va me permettre de custom l'entrée des toilettes. Il faut que ce soit un espace où vous vous sentez en adéquation avec les toilettes. C'est capital. Donc déjà, je vais mettre une entrée pour piétons. Il faut que les gens aient envie de venir. Il veut pas dans l'autre sens. Attends, mais comment c'est designé ici l'entrée? Ouais, normalement, elle est bien comme ça. Il veut pas le mettre... Ah si, voilà. Vous voyez? Attendez. Allez, je sais que ça passe. Tu viens de me le mettre. Te fous pas de moi. Il veut pas. Quel enfer. Là. Hop. Là, c'est... Hey, c'est une invitation aux toilettes. C'est une invitation. Vous sentez les effluves et tout. Ah, il veut pas me mettre le... La barrière, là. J'ai pas une toute petite fondation. Une mini fondation. Non. Comme ça, là. Regardez, hop. Et là, on fait croire qu'il y a une fausse sortie. Voilà. Hé hey. Pas mal. Je pense que des gens vont rentrer, là. Ah, j'ai Will York qui est en train de bosser, là. Écoutez, le parking, ça tourne. Hein. Il y a des gens. Est-ce que... Les lampes tournent? Est-ce que les lampes, elles n'ont pas besoin d'électricité aussi? C'est la question, hein. Peut-être que... Ou alors les lampes automatiquement s'allument... Oh, personne ne va aux toilettes, hein. Personne ne va aux toilettes. Normalement, avec les legs, ça marche. Hein. Je vais voir si... je vais essayer de travailler un peu l'électricité. Je vais sortir de l'électricité juste à côté. Regardez. Power, 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 power. Non. Power. Je vais faire ça. Je vais installer un nouveau... à côté de la... Voilà. Dans les shots avec un drone qui te fixe. Bah écoute, c'est ton rêve, ça, hein. Hein, coquin? Et je vais juste mettre... est-ce que... J'ai pas l'impression qu'il y ait besoin... Electric wall. Voilà. Et là, ça sort de l'autre côté. Ouais, ça sort de l'autre côté. Magnifique. Et là, en faisant ça... Voilà. Et si je rentre à l'intérieur... Est-ce que... Visiblement, les lampes s'allument. J'ai pas de connexion avec la lampe, vous voyez. Donc ça veut dire qu'elles sont peut-être en automatique, les lampes. Elles n'ont pas besoin d'une connexion. D'une connexion, en fait. J'ai pas l'impression, hein. Je sais pas. J'ai pas tout compris avec l'électricité. Attendez, ils sont coincés. Je crois qu'ils sont buggés. Hein. J'ai peut-être fait...
J'ai peut-être fait bugger le... Ils veulent aller aux toilettes, mais ils savent pas comment rentrer. Ils savent peut-être pas comment rentrer. Parce que j'ai vu personne de rentrer. Mais là, ça bug. Attendez. Ah, pap, 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 pap. Ils sont buggés. Est-ce que j'installe... Non, mais regardez. Les toilettes font bugger le jeu. Ils sont trop modernes. Pourtant, l'entrée est pas mal, là. L'entrée est pas mal sur le parking et tout. À côté du passage piéton. On est en droit de se demander pourquoi ils passent pas. Ils ont l'air heureux. Et vous savez que moi, je pense qu'ils utilisent des toilettes. Hein. Ça fait de la data. Ça fait peut-être de la data. Je pense pas que ce soit le tuyau qui fasse bugger. Je pense que c'est mon côté bunker. Eh, hey, regardez, il fait nuit. Est-ce que les lumières... Ah non, les lumières fonctionnent pas. Hein. The decorative lamp is connected. Ah non. Must be connected to the electric grid. Il faut qu'elle soit totalement connectée au circuit électrique. Si je fais ça... Non. Non. Oh, attendez. Si je fais ça... Ou alors il faut mettre des câbles en hauteur. Il faut peut-être mettre des câbles en hauteur. Attendez, je suis en train de tester des trucs. Une fuse box. Voilà. Et peut-être que là. Hop. Là ça connecte. Mais je n'arrive pas à connecter aux lampes. Je ne sais pas comment fonctionne l'électricité. Normalement, ça devrait être un phare ici. Avec les lampes que j'ai mises. Mais ça tourne pas. Peut-être par derrière. Il n'y a pas de raison. Je ne sais pas. 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 Bon. Je vais commencer à réfléchir à l'extension. Alors, j'ai des nouvelles places pour handicapés, mais... un pedestrian blocker. Ça, c'est pour forcer les gens à passer. Je pourrais interdire les gens de rentrer là. Regardez. Voilà. On va essayer de forcer les gens à aller ailleurs. Je veux pas qu'ils passent là, les gens. Parce que là, ils sont buggés. De plus petits câbles. Non, 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 il n'y a pas de plus petits câbles. Il n'y a pas de plus petit câble. C'était ce que j'avais de plus petit déjà. Peut-être un power pole. Ah non, power pole, c'est encore autre chose. Parce que là, les gens sont buggés. Hein. Les gens sont buggés, il faut que je les décoince. Parce que ça, c'est des gens qui ont des bagnoles, vous voyez. J'ai pas envie de devoir casser un toilette. Au pire, je vais peut-être casser un toilette pour faire une porte. Une porte brutale, vous voyez. Attendez, on teste. Ah merde, mais j'ai le tuyau d'eau, fuck. C'est au pire endroit. Il faut que je mette de l'autre côté. Je vais... Oh, tant pis. Voilà. Je suis un génie! La révolution est en marche! Je vais virer le câble, attendez, je vais mettre le câble pour qu'il passe sur le côté. C'est incroyable! J'ai cassé la dynamique du jeu! Toi, je vais te casser ici. Je te casse toi. Comme ça. Je vais installer un nouveau pipe. Comme ça. Tuyau. Merde, c'est parce que je... Oh, ils me font chier, là, l'électricité de merde. Pause. Voilà. Toi, tu dégages. Voilà. Et je vais installer un pipe. Toi, ici, je t'ai mal placé. Je vais le mettre comme ça.
Hop. Comme ça. Et je vais directement faire rejoindre la brutalité. C'est super, bah. Tu veux pas connecter? Non. Attendez. Il me faut une borne connectrice, un four-way. Comme ça. Et je vais faire ça, normalement là, ça devrait connecter ici. Non, il veut pas. C'est pas grave, je vais me débarrasser de lui. Voilà. Bah, les toilettes sont en panne. Les toilettes sont en panne. Ça va revenir. Voilà. J'ai eu une illumination. Les toilettes sont fonctionnelles. Je vais dégager les lampes ici pour pas que ça fasse bugger les gens. Voilà. Et je vais dégager cette toilette. Ils sont buggés. Et si je mets pause, hop. J'enlève la pause. Allez. On va voir. Oh, ils rentrent. Clac. Oh la merde, ils veulent pas rentrer. Et là, monsieur rentre. Tout à l'heure, ils les ont utilisés, hein. Il y a un côté parking, vous voyez. Sinon, je vais devoir... Écoutez, attendez, je vais retester des toilettes. Je vais les mettre comme ça. Vous voyez. Et au pire, les autres, je vais les casser après. On va essayer de débugger les PNJ. Voilà. La verdure. Le contact brutal avec la nature. Qui nous renvoie à nos instincts les plus... primitifs, n'est-ce pas? Four way. Il n'y a pas du double way. Non. Voilà. C'est incroyable ce jeu. J'ai loupé ma carrière. J'aurais dû faire du design de toilettes dans les mairies. Voilà. Toilette actif. Superbe. Et là, je vais voir si je casse. Allez les mecs, restez pas buggés comme ça. Regardez les toilettes, comment ils sont attractifs là. Ils sont buggés. Qu'est-ce qui leur fait peur? Moi je pense qu'ils ont peur, hein. Ils se regardent tous là, qui va en premier dans les chiottes, hein. Regardez, ils se regardent tous et... Non mais j'y vais en premier, t'y vas en premier. Ils ont peur. Ils ont peur. La sobriété du truc. Oh, je peux les comprendre. Ils sont impressionnés, hein. J'ai cassé le jeu. Et si je peux détruire le mur... En fait, je pense que... Il est rentré, lui! Regardez. Il est totalement rentré! Vous allez voir, j'ai un plan. J'ai trouvé un petit exploit, maintenant. Vous avez vu? On entend les bruits des chasses d'eau, hein. Je vais essayer de faire des toilettes ouvertes. On est comme ça, là. Et là, j'enlève le mur. Oh, je suis un génie. Et là, j'enlève le mur. Oh, regardez ça! Les toilettes sont ouvertes! Le contact de l'homme et du béton! Je détruis tout! Je défie même la pesanteur! C'est incroyable. Merde. Voilà. Oh ça, regardez comment ils rentrent! Oh là là, quelle bande de tchad! Ils ont tout compris!
Et eux, là, eux, ils sont abasourdis par ce qu'ils voient, regardez. Vous le voyez, le bobo, là? L'espèce de Ragnar Lothbrok, là, avec sa cravate, là. Je me dis, mais c'est du génie. C'est du génie, c'est incroyable. Regardez, madame, elle arrive, et hop, elle pose un colombin devant. Il contemple. Et ils sont admirateurs, comme vous, hein. Voilà, magnifica. Et après, ça, je pourrais m'en servir comme rampe de voiture, vous voyez. Tout ouvert. La brutalité de la nature. Hein, une expo d'art moderne. Mais complètement. Et hop, vous avez vu un peu le rapide qu'il a posé, le perfect. Vous vouliez de l'inclusivité, de l'open space. You have it. Superbe. Ils sont abasourdis hein, par ce qu'ils voient là. C'est du génie. Hein. C'est du génie. Le problème, c'est qu'ils sont buggés et ils quittent pas le parking. Comment je fais pour les débugger? C'est les feuilles des buissons. Excellente idée, ça. Attends, tu me fais penser. Tu me donnes des idées incroyables. Mais, regardez. Est-ce que je peux pas, en termes de fondation, vous voyez, hein, il y a un côté open space naturel. Magnifique. Ouais, le problème c'est que là, si je veux faire passer des voitures, je vais peut-être avoir des soucis avec ces deux là. Et c'est la cohue aux toilettes. C'est la cohue. Il y a juste eux qui sont un peu buggés. Oh, il a pas l'air content lui. En même temps, il y a tous ses potes qui le regardent. Ah bah j'ai pas réussi à faire caca. C'est quand vous allez aux chiottes là et que vous êtes en deux mecs là, deux gros balèzes et que vous arrivez pas à faire pipi là, parce que vous êtes un peu gêné. Bah c'est la même chose hein. Bon, je sais pas comment les débugger malheureusement. Est-ce qu'avec Optimus... Merde, ici j'ai un petit souci. C'est peut-être lié au fusible. Allez, Optimus. Pousse-les, là. Débugle-les, Optimus. On va aller voir les gens. Pourquoi vous voulez pas aller faire caca? La gênance. Bon, en tout cas, mes toilettes sont incroyables. C'est ma Mona Lisa. C'est mon chef-d'œuvre. Et je pourrais faire une longueur comme ça, entouré de parterres de jungle. Bon, la prochaine fois, on va pas chômer la prochaine fois. Je pense qu'on va commencer à partir en hauteur. Là, le but va être d'installer une tour de circulation pour monter. Et peut-être que je mettrai une autre tour directement là avec les toilettes pour que les voitures... Là, je voudrais que les voitures passent dessus, vous voyez. Et après, là, elles descendent dans l'axe. Vous voyez, une rampe de bagnole dans l'axe. Je vais essayer de vous montrer. Normalement, j'ai accès aux rampes de voiture. Wall ramp and stairs. Ça, c'est pour les... Je pense que les rampes... Vous voyez ? La question, c'est comment je place une rampe efficacement. J'ai jamais posé de rampe encore, vous voyez, pour les voitures. Ça, c'est une rampe pour la hauteur. Est-ce que je pourrais pas la descendre? Vous voyez? Là, la rampe, je l'ai... Oh, attendez. Si je monte comme ça, allez, et après je redescends. Vous voyez ?
Et est-ce que là je pourrais redescendre? Oh oui! Ouais, mais là malheureusement, ça contredit ce que je veux faire si je veux faire une rampe montante. Vous voyez? Je voudrais bien faire ça. Mais peut-être. Ouais, au pire, je pourrais dégager la bagnole là. Hein. Oh, je mets la rampe comme ça. Attendez. Je vais détruire mes places de parking ici là. Vous voyez? Comme ça. Les autres là, ils vont dégager leur bagnole. Ils vont se tirer. Et est-ce que je pourrais descendre la rampe? Il faut que je casse les fondations. Visiblement, il refuse de se mettre. Pardon. Ouais, il faut que j'enlève la fondation, c'est ça. Il refuse en fait de. Rampe up, rampe down. Voilà, il y a double rampe. Ouais, rampe up, rampe down. Mais moi, je voudrais faire une rampe à sens unique. Comme j'ai fait là, en fait. Comment j'ai fait cette rampe? Comme ça, voilà. Vous voyez, là, j'arrive à la monter et à la descendre. Et là, je voudrais faire pareil. Mais il refuse de la descendre. Vraiment, ça serait comme ça. Mais je ne peux pas. Peut-être que si je casse comme ça. Ah, il veut pas. Hein. Mais je veux pas être forcé de. Oh, je pensais que ça passerait. Non, ça serait honteux. Ce serait génial, mais ça serait honteux. Il ne veut pas. Hein. Peut-être que c'est considéré comme trop. Là, ça passe. Ou alors, éventuellement. Ouais, mais là, il descend, là, il monte. Hein. Moi, c'est comme ça que je veux. Voilà. Puis, on va voir comme ça. Hein. Et je pourrais mettre l'entrée ailleurs. Je pourrais casser quelques places. Et installer une. Vous voyez? Par de la fondation. Attends, on va essayer. On va essayer. C'est pas une mauvaise idée ce que tu me dis là. On va totalement partir de la fondation. Ramp up. Il veut pas. Il veut à tout prix me mettre. Tu vois? Il veut me faire descendre. Il refuse de me faire monter. Le problème, c'est que moi, je veux descendre, là. Going up. Et là, c'est going down. Là, je veux qu'il descende, mais il me laisse en... Ou alors... Attendez, peut-être qu'il aurait fallu faire l'inverse. Il aurait fallu d'abord mettre celle-là. Parce que là, celle-là, elle a marché, même sur des fondations. Une preuve que les fondations, c'est pas le problème. La fondation n'est pas le problème. Par contre, il y a Optimus dans le chemin. Est-ce que le fait que Optimus soit pas dans le chemin m'empêche de poser le merdier? Peut-être. On a vu que ça pouvait être un problème. On va faire une rampe. Et là, bingo, je l'ai. Attendez. Allez. Me trahis pas! Ah, mais moi, c'est l'inverse que je veux. Je veux descendre. Pourquoi là, ça passe? Et pas là. Je vais casser la fondation qui est là. C'est bon! Hop! C'est totalement la fondation qui gêne. C'est totalement la fondation qui gêne. Et là, je fais ça. Ben voilà.
Et là, je vais faire l'inverse. Avec, on va monter et on va faire une espèce de petite tour. Vous voyez? Et on va essayer là de faire les sens de circulation, montée, descente, avec un parking en hauteur. Vous voyez? Et là, on montera. Ici, ce sera la montée du parking. Je pense que là, il faudra que je casse cette fondation. Going up. Et là, je l'avais. Je l'avais! Hop! Incroyable. Incroyable. On pourrait même mettre après du coulimaçon, vous voyez? Regardez. On pourrait essayer de mettre des trucs en rond, là, en cercle, pour accompagner la descente. On pourrait commencer à réfléchir à... Est-ce que j'ai pas des trucs plus petits? Curved wall, non, ça c'est giga grand. Comme ça, là. On casse. J'ai jamais essayé de mettre ça encore. J'ai jamais essayé de mettre ce genre de truc encore. Je les connais pas, les... Mais visiblement, il aime pas trop que je mette, que je mixe des fondations. Je pense qu'il faut que je mette des fondations en courbe. Vous voyez? Oh, attendez. Oh ben j'ai... Ah. Le petit problème. Petit problème. Là, j'ai réussi à la mettre. Non, mais forcément, elle passe. Voilà! Hop! Rampe! Hop! Rampe down. Regardez! Clac, clac, clac! Et les toilettes sont toujours dessous. Mon coup de génie! Bon, par contre, j'ai fait de la merde, ça va casser, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça. Je vais tout remettre. Je vais tout remettre. Voilà. Et là, normalement, ça va tenir. C'est génial. Pas facile, hein. Voilà, hey. Plutôt classe, non? Et là, je vais mettre... C'est pas les bons. Oh merde, est-ce que je vais réussir à trouver le bon... angle. C'est pas sûr hein, que ça passe. Hein. Oh, c'est mal designé. Ça devrait être un designer, vous voyez, genre manuel. Le curve wall. Il n'y a pas un autre type de curve wall. Ouais, non, malheureusement, à 500. Je vois pas comment je peux le mettre. Ouais. Un peu merdique leur curve wall. Mais on a déjà la base de travail, vous voyez. Et là, le parking en hauteur va être ici. Hop, et tout ça, on va monter en étage. D'un étage, on va mettre des murs. Et on va construire. Construire. Et on va déjà commencer là à mettre les murs pas chers. Est-ce que ça passe? Normalement, oui, hein. Et là, on empile. Voilà. Regardez. Parfait. Et là, est-ce que je peux mettre après du... je vais rajouter des fondations. Comme ça. Hé, hey, ça commence à avoir de la gueule, hein. La voiture, elle monte, là. Le but, c'est qu'elle monte. Hop. Plateforme. Quoi que non, j'aurais pu mettre les courbes. J'aurais pu mettre les magnifiques courbes. On va prendre un peu de hauteur. On va apprécier... est-ce que ça, là... ouais, il y a moyen de faire des trucs... Oh. Vous vous rendez compte, là, vous faites une tour comme ça, là. C'est très brut de coffrage, ce que je fais là, mais ça aurait pu être beaucoup plus classe.
ça aurait pu être beaucoup plus classe. Et je mets une autre rampe. Il y a moyen de faire des trucs superbes en fait. Là, je suis vraiment en mode je découvre. C'est l'autre. Voilà. Regardez. Clac, clac. Et là, on va rejoindre ce que j'ai fait plus bas. Wall. Le problème, c'est que là, j'ai un problème avec le... Normalement... Est-ce que je gâche pas un étage, là? Question bête, mais vous pensez que je gâche pas un étage? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, ici, de faire rejoindre? Et de... Là... Hop, tu peux rentrer et mettre une sortie de l'autre côté. Ou voir une connexion pour pouvoir monter et descendre. Ça doit pouvoir se faire. Regardez, attendez. Ah merde, tout va se casser la gueule. Oh, fais chier, tout va se casser la gueule. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. On teste, on découvre, on apprend. La grande dalle en béton. Hop. 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 Et là, je remets comme ça. C'est génial. Voilà. Et ici, la dalle qui descend. Ramp. Going down. Et là, going up. 1. Et comme ça, ici, je vais pouvoir installer un autre étage de parking où les gens pourront simplement clac-clac ou alors et redescendre après et sortir. Je pense que ça passe. Je pense. Hein. Merde. Ah, non, oh non, je me suis trompé. Je l'ai mise en bas. Regardez, comme ça. Pas l'enfer. Je sais que je peux la mettre. Hein. Je sais hein, que je peux la mettre. Allez. Voilà. Oh là là, la brutalité. Parfait. Et là-haut, je peux après installer... Vous voyez? Et j'aurai mes deux étages. J'aurai un... Non! J'aurai un double étage déjà de parking. Oh yes! Ça passe ça! Écoutez, je suis pas peu fier de ma création, hein. Je commence à comprendre comment le système de fondation fonctionne, en fait. Tout devient plus facile, direct. Et voilà, là, les... Normalement, une voiture, elle passe, hein. Vous pensez qu'une voiture passe? Je pense que oui, hein. Facile, hein. Regardez. Il est beau, mon système. Là, je vais faire la connexion. Voilà. Bon, là, il y a un petit problème de fondation. En termes de... Les ingénieurs ont fait de la merde, vous voyez. Mais je pense que c'est parce que je suis sur le trottoir. Et voilà bon, mes deux étages en construction. Et hop. Classe, hein. Et pour monter, quoi qu'il arrive, vous faites ça. Vous montez en bagnole. Hop. Si vous voulez redescendre, vous pouvez directement prendre là. Comme ça. Là, il y a le deuxième étage. Et pour descendre, clac. Par contre, il faudra peut-être que j'installe une autre issue de sortie là. Pour pouvoir passer, en fait. Pour pouvoir sortir. Parce qu'il va pas vouloir, sinon, ça va être une seule voie.
Écoutez, on fera ça la session prochaine. Hein. Je le continue mon parking, hein. Je lâche pas tant que j'ai pas un beau truc, hein. Comment je sauvegarde? Save. Session 3. Save now. Voilà. Il y a moyen de faire un truc sympa. Il y a moyen de faire un truc sympa. Oubliez pas, il faut que je fasse les places inclusives, hein, n'est-ce pas, pour les handicapés. On va les mettre tout en haut, hein, les places. Avec un petit toboggan, là, et près des disjoncteurs. Ah ouais, hey, on m'a pas précisé comment je devais les mettre. Voilà le super parking en construction. Avec mes toilettes inclusives open side. Regardez, ils sont toujours cloués. Hein. Ils en reviennent pas. Ils en reviennent pas. Je peux comprendre, hein, c'est impressionnant. Très très impressionnant. Bon, je m'arrête là. À 18h, dans 3h, il y aura une minute géopolitique. GLaPS sera là pour nous parler des... pour nous parler des data, de vos data. Et de faire attention avec vos data. Et moi, sinon, je m'arrête là. Demain, je lancerai mon run sur Panzer Corps. Retour en enfer avec Panzer Corps. Et en soirée, on fera du compagnie au Firoz. Il y aura au moins la vipère qui sera là pour sûr. Bon, sur ce, passez une bonne après-midi. Bonne soirée, peut-être à tout à l'heure. Et je vous dis à ciao, ciao, c'est tout.